Bonjour, et toi, shalom. Toi, au travers de ta vie qui coule à moi. Jésus, tu m'as donné ta nature, étoile du matin. Tu as fait de moi une étoile comme toi. Simple comme un démortel. Je suis devenu ton frère. Je transcendais les limites jusqu'à t'appeler appelé. Attends, dit-il que et vie, sur ce que je suis en toi de la valeur, de par ma position, tu m'as placé haut, oh, pour éclairer toute la terre, marque les époques, chasser l'obscurité. Oh. Shalom, 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 bonjour à vous tous. du matin Tu as fait de moi une toile comme toi Moi la lune, moi la corbeau Je suis devenu ton frère J'ai transcendé les limites jusqu'à te appelé un des dieux Si loin du ciel c'est ce que je suis en toi Je te la valeur de par ma position Tu m'as placé haut pour éclairer toute la terre Marque les épaules amener les hommes à ta je suis une étoile, oh. ah, ah, mon adresse est là haut. Ah, Vous ne me verrez pas sur la terre, oh. ah, ah, pour me piétiner sur votre terre. Oh. Ah, ah, je ne suis pas un caillou, oh. ah, que l'on peut jeter n'importe où. Oh. Ah, Moi je ne suis pas fruit sur l'arbre, oh. ah, ah, que l'on peut cueillir et manger. Oh. Ah, Shalom, bonjour à vous. On a eu un peu de retard. Excusez-moi. Ben je ben suis là. 20e jour. Nous allons parler aujourd'hui des méchants. Le cas de Amand Comment déprogrammer tous les gros projets. Ma calambaille, je suis une étoile. Et tu fais peur. Plus tu m'approches, je m'éloigne. Toi, tu veux me toucher, je fais boulot. Voilà! Je suis une étoile. Aïe, aïe, aïe! Alléluia! Moi, je suis la tête. Et moi, j'avais la cœur. Oh, je suis le premier. Je suis pas le de dernier. Tu es vainqueur, moi je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus Si tu crois dans ton cœur que tu es une étoile Ne oh. te retiens pas tous des cris de joie Moi je suis une étoile Moi ma demeure là-haut Tu ne verrai pas sur la terre Pour m'écraser sous un pied haut je ne suis pas un oh! Alors, les cœurs, les j'aime pour alerter ceux qui sont arrêtés, ceux qui se sont déconnectés déjà. Nous sommes là me pas, le 20e plus jour. Le cas de chez Je suis une étoile. Je suis Je te brûle. Toi, tu veux me toucher? Moi. Je te brûle. Parce que je suis le vieux de mes parents. Papa. Oh. 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 Papa, oh. Papa. Voici la chanson qui va nous conduire toutes ces semaines. Je suis une étoile. Tu ne peux pas me déprogrammer. j'attends oh. voilà je suis une étoile ma demeure est là haut c'est la semaine la, voie, la chanson que nous allons écouter cette semaine et une fois encore mes excuses un peu de retard, mais bon, finalement, je suis là par la grâce de Dieu. Béni soit le Seigneur pour tous ceux qui ont été patients, qui ne se sont pas découragés, qui ont attendu quand même une heure de temps. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit du méchant. Nous allons parler de, du cas de Haman. Nous allons, avant de retourner à Esther, qui a utilisé la sagesse pour déprogrammer. Euh, tous les complots à destruction massive qui avaient contre son peuple. On ne peut pas sauter à main. Donc, euh, dans ma prière d'hier, le Saint Esprit m'a ramené sur la position d'Amma qu'il faut réussir à connaître et déprogrammer les actions de Beaucoup, beaucoup de personnes ne se euh, rendent pas compte que le méchant tapis dans l'ombre travaille en grande quantité, travaille efficacement, travaille dans la ruse et la malice contre les bien-aimés de Dieu à cause de leur étoile et à cause de leur destin. Partout se trouve une grande étoile, un grand destin, un grand appel. Partout se trouve une personne en qui Dieu s'est investi, se trouve forcément un ennemi. Et l'ennemi, des fois, est invisible. Des fois, il est visible. Mais il faut quand même connaître, c'est dans les manifestations que vous devez savoir quel est l'ennemi qui est en face de moi. Il n'est pas facile de voir l'ennemi, mais on peut discerner l'ennemi par ses manifestations. Et aujourd'hui, avant de retourner à Esther qui a utilisé la sagesse pour déprogrammer l'œuvre diabolique, nous devons savoir qui est à l'origine de ce programme. Ce programme à destruction massive où le roi a donné son accord pour qu'on détruise tout un peuple, pour qu'on annule, on enlève la vie à tout un peuple. Qui est derrière ce programme? Rappelez-vous une chose, dans l'intercession, dans la vie des prières, dans tout ce que vous faites sur la terre, sachez que si Dieu n'est pas le réalisateur de votre vie, c'est que le diable en est. Si Dieu n'est pas le réalisateur de votre vie, c'est que le diable est le réalisateur. C'est-à-dire qui est derrière la scène de ce qui vous arrive Quelle est cette force qui est derrière ce qui vous arrive Qu'est-ce qui manipule votre vie ou bien qui manipule votre vie avec des manifestations diaboliques pour vous détruire C'est pourquoi il faut être important d'avoir le discernement et de savoir cet esprit que je vais vous expliquer aujourd'hui, l'esprit du méchant. Le méchant, le méchant, la Bible même a... Beaucoup parlaient du méchant. Et quand la Bible nous parle du méchant, nous ne faisons pas attention au méchant. Beaucoup ont l'habitude d'avoir pitié du méchant. Beaucoup ont l'habitude d'essayer de comprendre le méchant. Beaucoup ont l'habitude de se dire que le méchant n'est pas coupable. Malheureusement, le méchant est coupable. Le méchant est coupable. Si le méchant, il travaille avec l'esprit de Sodome et de Gomorre. Dans Genèse 13, verset 13, la Bible dit que les gens de Sodome et Gomorre étaient méchants et des grands pécheurs contre Dieu. Donc, qui est le méchant C'est le méchant, c'est des gens qui sont des gros pécheurs, mais qui se lèvent contre Dieu. Donc, les gens de Sodome étaient de gros pécheurs et ils se lèvent contre Dieu, ils étaient des méchants. Donc les méchants, c'est des gens qui se lèvent contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Alléluia. Abraham a dit dans Genèse 18, verset 23, Abraham s'approchait de Dieu, dit à Dieu, est-ce que tu veux que, périsse, tu veux que le juste périsse avec le méchant Donc il n'est pas acceptable que le juste meure avec le méchant, parce que le méchant a pour salaire la mort. Et Abraham a plaidé le cas de son neveu. Il dit, tu ne peux pas faire mourir le juste avec le méchant, à soi qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, Dieu. Loin de toi. Celui qui juge sur la terre nexistera t il la justice Donc il arrive à des moments où il faut demander à Dieu d'exercer la justice pour toi, parce que les méchants sont dangereux. Genèse 38, verset 7. Genèse 38, verset 7. On dit, et le premier né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Donc le premier né de Judas était méchant, et comme Judas doit accoucher des rois, il a accouché un qui est méchant, Dieu l'a fait mourir pour ne pas qu'il vive parce qu'il va décimer tout le reste. Donc le méchant, c'est important de comprendre le méchant. Exode 23 Dieu donne interdiction aux enfants de Dieu dit tu ne répandras point de faux bruit tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage donc c'est le, le méchant il répand des faux bruits le méchant il rend des faux témoignages donc quelqu'un qui fait ces genre de choses la personne transporte un esprit de méchant quelqu'un qui accuse les autres injustement qui raconte du faux sur les autres qui fait des faux complots des faux témoignages laisse l'esprit du méchant Alléluia. Donc, l'éternel se plaint contre son peuple dans Nombre 14, verset 27. Et jusqu'à quand laisserait cette méchante assemblée murmurer contre moi J'ai entendu le murmure et les enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dieu, dès que les enfants d'Israël ont été envahis par l'esprit des méchants, Dieu décide de les tuer. Dieu décide de les tuer parce que Dieu n'aime pas les murmures. Les méchants, c'est des gens qui murmurent contre même Dieu. Ils murmurent. Ils sont toujours en train de bouder l'œuvre de Dieu, bouder la volonté de Dieu, bouder. Vous voyez un peu, non Vous voyez Quand, tout à l'heure, vous voyez, il y a un monsieur là qui se promenait sur la page. On ne t'a pas invité ici. Tu as choisi ce que tu veux. Quelqu'un s'assoit, il fait son travail ou bien il est en train de parler à Toi, tu vas venir mettre ta langue pour dire que non, 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 c'est des méchants. C'est-à-dire que les gens, tu ne sais même pas qu'est-ce qui les pique. Ils veulent toujours faire du mal. Ils veulent toujours détruire. C'est très important. Et donc, Dieu dit, je traiterai cette assemblée méchante qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils mourront. Donc Dieu dit, je vais les traiter. Donc 14, verset 35. Je traiterai cette assemblée méchante qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils mourront. Quand quelqu'un a un esprit de méchant, quand quelqu'un transporte la méchanceté, c'est la mort qui attend la personne. C'est la mort. Alléluia. Alléluia. Et il dit le méchant n'a pas le droit de toucher, d'aller à la terre des promises. Dans Deutéronome 1, verset 35, il dit aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Donc on ne fait pas de cadeaux méchant. méchants. Le méchant n'a pas le droit d'arriver à Canaan. Donc nous allons, après avoir montré ces choses, je vais vous montrer maintenant de voir quel était l'esprit de Hama. Comment est-ce que l'esprit le, de méchanceté a animé Haman pour que Haman soit cet homme qui était manipulé. Ama est un homme d'État. Aman est un homme élevé en dignité. Aman est un homme que, qui était béni. Mais malgré ça, il, a, il y a une méchanceté qui a envahi son cœur à telle enseigne qu'il va faire un projet qui est un projet satanique, démoniaque, un projet de destruction massive pour tuer tout toute un peuple parce qu'il est animé d'un esprit méchant. Frères et sœurs, je venais vous rappeler l'esprit des méchancetés c'est un esprit qui, tape, qui est tapé dans l'homme qui est autour de nous matin midi et soir mais beaucoup d'enfants de Dieu ne s'élèvent pas contre cet esprit on a d'habitude on a l'habitude pour habitude à cause du cœur d'amour que Dieu nous a donné de tolérer le méchant Dieu ne tolère pas le méchant quand quelqu'un est méchant quand une personne est animée par un esprit de méchanceté cette personne finira par vous détruire si vous ne vous levez pas tôt commencer à prier, à travailler contre cet esprit, l'esprit va finir par vous détruire. C'est pourquoi on ne fait pas de cadeaux au méchant. On n'a pas pitié du méchant. Le méchant est venu pour détruire. La Bible dit l'esprit du méchant c'est comment Il rôde. Il rôde cherchant qui dévorer. Il cherchant qui dévorer, qui détruit. Et quand il finit de te prendre et te voler, il te détruit, il te, il te gorge, il te tue. Donc l'esprit méchant tue. Il finit petit à petit, il rentre dans votre vie et il vous détruit à petit feu. Le temps que vous vous rendez compte, vous avez sacrifié votre vie pour un méchant, vous avez mort, vous avez foutu dans la main du méchant parce que le méchant fait son programme étape par étape. Donc il est important de déjouer cet esprit qu'on appelle l'esprit des méchants. Je vous rappelle... Dans vos assemblées, partout où vous êtes, dans votre famille, autour de vous, il y a l'esprit méchant qui peut utiliser quelqu'un. Même un membre de la famille, l'esprit méchant est capable d'habiter même un membre de la famille. Vous êtes né, même père, même mère, vous êtes, euh, je sais pas, vous avez grandi dans la même chose, mais quand l'esprit de méchanceté est dans le cœur d'une personne, la personne-là, vous ne pourrez jamais gérer cette personne. Voilà. C'est l'esprit de méchanceté qui a habité et Judas Escario et il allait vendre Jésus, vous avez vu, quand il allait vendre Jésus, dès que l'esprit des méchants finit de, méchant fini de l'étudier, il l'a à la mort. Donc, il ne s'est pas repenti. il est mort avec. Donc, quand les gens ont un esprit de méchanceté, et qu'ils sont autour de vous, n'ayez pas la pitié, parce qu'ils sont sans pitié, ils sont venus pour un travail, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu, c'est de se lever contre les destins, c'est de se lever contre les enfants de Dieu et de les tuer, de les détruire pour ne pas qu'ils rentrent dans leur destin, pour qu'ils ne pas qu'ils rentrent dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour leur vie. Donc, je vous décris aujourd'hui pourquoi Amman a fait ce complot. Esther 3, verset 1 nous dit Après ces choses, le roi Assiris fut monté au pouvoir, Amman, fils d'Amedada, la guide, la garde-guide. Et il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Madoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Voilà. Amman a été élevé en dignité. Amman a été élevé. Aman avait tous les honneurs et le roi demande à ce que même les gens puissent se soumettre à Aman et adorer Aman. Mais il s'est trouvé que Aman a su sa route, un homme appelé Madoché, un homme de Dieu, Madoché qui a décidé de craindre son Dieu, d'adorer son Dieu. Et Madoché dit non, dans mon, ma confession de foi, je ne peux pas adorer un homme. Mais la loi dit... L'ordre du roi dit de l'adorer. Mais moi, ma confession de foi ne me permet pas d'adorer un homme. Suivez ce point important, capital. L'esprit des méchants viendra toujours s'opposer à votre adoration et à votre confession de foi. L'esprit du méchant viendra toujours s'opposer à votre adoration et à votre confession de foi. Si l'esprit des méchants veut utiliser quelqu'un, L'esprit du méchant va toujours contrarier votre manière d'adorer et votre foi. Parce qu'il sait qu'il ne peut vous détruire que dans votre foi. C'est comme si votre foi s'oppose à sa personne. C'est comme si votre foi s'oppose à son esprit de vouloir dominer, vous écraser. Donc vous allez voir des gens dans votre vie qui, ont, qui veulent prendre le contrôle de votre vie, qui veulent vous dominer, s'asseoir sur vous. Vous devenez comme une chose dans leurs mains. Et ils vont vous manipuler comme ils veulent. Ces gens-là sont animés par l'esprit du méchant. Et à partir de cet instant, tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez, votre foi, une fois que vous sortez des choses dans votre foi, dans votre manière de, de servir Dieu, d'adorer Dieu, la personne ou bien la personne qui est animée par cet esprit viendra être mettre ombrage, bloquer, vous arrêter, parce que la personne sait que si vous adorez bien votre Dieu. Votre Dieu va les va vous les élever. Donc, Amman, vous ne, vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre soit élevé autour de lui. Quand on dit vous tous, vous vous mettez à genoux, ça veut dire qu'on verra personne debout quand, tant que Amman est debout. Donc ces gens de personnes, ils ne souhaitent pas que d'autres personnes soient élevées. Ils ne veulent pas la grandeur de d'autres personnes. Ils ne veulent pas la promotion d'autres personnes. C'est eux seulement qu'on doit voir. Quand vous avez autour de vous une personne qui est très envieuse, une personne qui a des, euh, un cœur envieux, qui veut tout pour elle, ou bien pour lui, une personne qui veut réussir d'abord avant les autres, une personne qui voudrait que ce soit lui qui soit en train de faire ce que vous êtes en train de faire, ou bien elle qui soit en train de faire, ou bien d'avoir ce que vous avez, une personne qui aurait souhaité être au-dessus et vous allez le servir, bien la servir, à attention. C'est un esprit de méchanceté. Et cet esprit n'a pas de pitié pour toute personne qui se met en face. Alors, amant a dit Moi, je ne fléchis pas genou devant un homme. Je ne fléchis pas genou devant un homme. J'ai décidé d'adorer Dieu. Je ne vais pas adorer un homme. Beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, adorent des gens, adorent des hommes, sans s'en rendre compte, adorent des personnes, sans s'en rendre compte parce que ils ont oublié que. Quand tu fléchis genoux devant une personne, tu veux de dire es dit à la personne, en tout cas, je fais ta volonté. Non, on est venu pour faire la volonté de Dieu et non la volonté d'un homme. On est venu pour faire la volonté de Dieu et non la volonté d'un homme. Donc, il est important toutefois qu'une personne surgit dans votre vie et vous amène à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu dans votre vie. Cette personne s'établit en méchant dans votre vie et ça peut ruiner toute votre vie. Sans que vous vous rendez compte, parce que le, le méchant est rusé. Le méchant travaille avec des décrets. Le méchant travaille avec un esprit qui est sans pitié. Il n'a pas de compassion. Le méchant n'a pas de compassion. Donc Aman, qui a vu dossier dans cette position, Aman a décidé de faire quelque chose. On dit quoi? Comme il le lui répétait chaque jour, ne les écoutait pas et en fit rapport à Amman pour savoir si Madoché persistait dans sa résolution car il leur avait dit qu'il était juif. Et verset Esther 3, verset 5 Et Amman vit que Madoché ne fléchissait point le genou, et ne se portait un point le poil. De... Il fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur. Le méchant, c'est une personne qui a la colère dans les petites choses. C'est une personne qui a une fureur contre vous. C'est-à-dire que cette personne a une haine contre vous que nous ne pouvons pas expliquer. Cette personne, des fois en vie, si elle pouvait vous dévorer, elle allait vous dévorer. Cette personne a une haine pas possible contre vous. Quand vous êtes en face des gens, pour rien, pour rien, pour ne serait-ce que des petites choses, la personne a une haine démesurée, a une fureur. Ou même si votre destruction aurait arrangé cette personne, c'est un esprit de méchant. Et cet esprit est dangereux, ça peut vous détruire. Et des fois, vous pouvez tracer l'entraînement subi petit à petit sans vous rendre compte que ah, je suis en face d'un esprit de méchant. Ça peut venir de partout. L'esprit de méchant ne vient pas seulement des ennemis qu'on voit directement. Ça peut être des ennemis discrets, des ennemis invisibles. Ça peut être des gens proches de nous, des gens même que on ne peut pas imaginer, des gens même de notre famille. Allez, la Bible dit vous allez pour ennemi les gens de votre propre famille. Donc il y a des gens comme ça. Que tu ne peux même pas imaginer, il transporte cet esprit de méchant. Et ces gens-là, ils ont des projets. Quand quelqu'un est méchant, aimait un esprit de méchant, la personne a des projets de fin. Son projet, c'est que, OK, il va voir. OK, elle va voir. J'ai compris. Je vais la voir. Un jour, je t'aurai. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Je vais finir par t'avoir. Donc, qu'est-ce que la personne a La personne a déjà un plan la personne a déjà un projet. La personne te, se prépare déjà pour ta fin. Parce que tu n'es pas en train de faire sa volonté. Tu n'es pas en train de faire comme il veut ou bien elle veut. et dit, okay, comme tu veux me tenir tête, comme tu veux me défier, comme tu as envie de t'opposer à moi, on va voir. Voyez, pourtant des fois, ce que tu sors ce que tu exprimes, n'est que le destin, la volonté divine. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui te pousse à dire, mon fils, ma fille, fais ça pour moi, adore-moi ainsi, fais telle chose. Madoché dit, mais je vais adorer Dieu. Est-ce que c'est méchant Et ma loi, ma confession de foi dit que tu ne fléchis pas de genou devant un homme. Ce n'est pas aussi méchant que ça. Ce n'est pas que Madoché a dit que je ne reconnais pas Amman comme une personne élevée en dignité, non. Il, ne, il reconnaît Amman comme une personne élevée. Il accepte son autorité, il accepte sa seigneurie, mais il dit, je peux tout accepter, mais je ne peux pas t'adorer. Donc vous voyez, des fois, ce n'est pas parce que vous n'acceptez pas leur nomination, leur promotion, leur grandeur, leur tout, mais adorer, là, dit, je ne veux pas adorer. C'est ça qui devient un problème. Alors, OK, Amman va dire au roi, Aman va aller faire un projet alors. Et Amman va aller voir le roi. Il dit quelque chose au roi dans Esther 3. Verset 8. Alors Aman dit au roi à Sérouis, il y a dans tous les provinces de ton pays un peuple dispersé, à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Verset, 10, verset 3, verset 10. Le roi ôta son anneau de la main, remis à Aman de la Magadite à Gadit, plutôt, l'ennemi des Juifs. Donc il s'est déclaré ennemi des Juifs. Quand quelqu'un se déclare ton ennemi, il <laughs> faut te préparer. C'est une guerre qui peut aller jusqu'à la mort. Et le roi dit à Amman, verset 11, l'argent t'est donné. Et ce peuple aussi, fais-en tout ce que tu voudras. Et c'est grave. C'est grave. Esther 3, verset 11. Et le roi dit à Amman, L'argent est donné. Et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Donc le roi dit à moi, tu as l'argent, tu as ce peuple, traite-les comme tu veux. Donc l'esprit du méchant, une fois que l'esprit du méchant habite une personne, la personne cherche des partenaires, cherche des gens plus forts que toi pour se mettre derrière, pour pouvoir l'aider à exécuter la volonté, exécuter son plan. Donc tu vois une personne, mais tu oublies que la personne s'associe des gens. Rentre maintenant dans un esprit de complot. On peut compléter contre toi. Comment en, fait, en faisant quoi aussi Que tu puisses observer. Les faux témoignages, les faux rapports, et des fois, des choses qu'on dit sur toi qui ne sont pas vraies. Mais l'objectif, c'est de monter un complot pour que les autres se désengagent de toi, pour que les autres se mettent de son côté, pour pouvoir t'éteindre, te détruire, te nuire. Donc dans ta famille, tu peux avoir des frères qui ont gagné des faux complots, qui ont gagné des choses contre toi. Alors que toi, tu étais d'accord avec la personne. Tu avais pro le projet d'avancer. Mais la personne a un esprit méchant. Donc la personne ne rapporte jamais rien de bon de toi. Quelles que soient les bonnes choses que tu fais pour le bien-être de la personne ou bien pour votre bien-être, la personne trouvera toujours malheur dans ce que tu fais. Et tu te présentera comme un méchant. Donc, l'esprit méchant présente toujours sa victime à sa place. Donc, l'esprit méchant te présente, toi qui veux détruire, toi qui veux tuer, il arrive à te donner, te donner une image de méchant. Il arrive à te donner un nom de méchant. Il arrive à te donner, t'attribuer tout ce qu'il fait contre toi. Il t'attribue. Et finalement, c'est toi que les gens voient comme méchant. C'est toi qui deviens l'ennemi de tout le monde. Alors, il aura atteint son truc et il va atteindre. Donc, il a réussi. A amené le roi contre le peuple juif. Le roi n'avait rien contre eux. Mais c'est Amman qui allait dire au roi qu'il y a des gens là qui ne t'aiment pas. Il y a des gens là qui ne te supportent pas. Il y a des gens qui ne font pas ce que tu dis de faire. Et c'est là que le roi dit Ok, prends l'argent. Et pour le peuple là, je te livre, traite-les comme tu veux. Comme ils ont décidé de me désobéir, voici comment tu vas le faire. Est-ce que c'est tout le peuple qui en voulait euh, à Amman C'est faux. Euh, Amma, c'est Madoché seul. Qui ne voulait pas se fier sur genou devant Amman. Mais Amman allait devant le roi pour dire il y a tout un peuple. Donc, on doit les détruire. Donc, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois il peut y avoir des complots contre vous en nombre. Donc, c'est pourquoi les chrétiens qui ont l'habitude de dire Je m'en fous, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Tant que Dieu est avec moi, il faut savoir que des fois, les gens, ils prennent leur temps. Pour s'organiser, pour vous détruire en un jour. Ils ne viennent pas en un seul jour pour vous détruire. Ils prennent leur temps pour organiser le complot pour atteindre leurs objectifs. C'est pourquoi il faut te méfier, des fois, de quiconque te déteste, te critique beaucoup, t'accuse beaucoup, te calomnie beaucoup, te salie beaucoup, ne dit jamais rien de bon de toi. Une personne qui est capable de sortir tes défauts et toujours vous représenter que tes défauts. Il n'y a pas une personne sur la terre qui n'a pas de défaut, mais au moins là, des fois là, tu as des qualités au moins. Quand on n'arrive jamais à présenter certaines de tes qualités et qu'on ne présente que tes défauts, qu'on ne sort que tes défauts, c'est que la personne a un plan B. C'est que la personne a un plan dans la tête. La personne veut faire quelque chose qu'on ne te dit pas. Donc, il faut que la personne commence à te présenter d'une manière importante. Alors. Hmm. Et qu'est-ce qu'ils font? Esther 3, verset 12. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du mois, premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Amant au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, au chaque province selon les Écritures. Ce fut au nom du roi à qu'on l'écrivit, et on scella cela avec l'anneau du roi. Les courriers partirent en toute hâte. Verset 15. Esther 3, verset 15. Donc, Amman va faire écrire un décret au nom du roi. Alors que le roi dit, va faire ce qu'il veut. Donc, maintenant là, tout ce qu'il écrit contre le peuple juif, là, le roi n'est pas au courant, mais au nom du roi. Puisque le roi lui a dit, je les livre en tes mains. Donc, le méchant, il prend l'autorisation d'un esprit supérieur à toi qui peut te détruire. Et puis, il vient maintenant, il prend des décrets, il prend des résolutions, il prend des engagements, il complote des choses contre toi. Et puis il l'envoie pour que ça puisse te détruire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris maintenant l'autorité et il prend toutes ces choses et il envoie. On dit en hâte, il est pressé de te voir disparaître. D'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suisse, la capitale. Tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suisse était dans la consternation. Vous voyez Tandis que Amman et le roi étaient à boire, la ville de Suisse fut dans la consternation. Donc au moment où vous vous pleurez. Au moins, vous, vous lamentez, hey, qu'est-ce qui va nous arriver Eux, ils sont en train de se réjouir. Il, il amène le roi dans, pour ne pas pour que le roi tire son attention sur ce qui se passe. Il détourne son attention en lui offrant du plaisir. Les méchants, il ne faut jamais négliger un méchant. Le méchant, ça rend toujours que celui qui peut te secourir, celui qui peut t'aider, il éloigne la personne de ton regard. Il va toujours faire en sorte que les gens qui viennent dans ta vie, qui peuvent t'aider là il va les chasser d'une manière il va organiser il va s'organiser d'une manière ou bien elle va s'organiser pour que les gens qui peuvent être un secours ces gens là l'esprit là les chasse et par bah, un esprit toujours cet esprit de méchant il faut trouver des choses à dire sur les gens qui viennent vers toi pour dire celui là n'est pas bon cela n'est pas bien les personnes là n'est pas bien ils vont chasser tout le monde autour de toi parce que cet esprit travaille toujours en t'isolant il faut que l'esprit t'isole pour ta voix. Donc il t'éloigne de tout pour que tu restes sa proie pour t'atteindre et faire de soi ce que tu veux. Fais attention à tout ce qui t'amène à chasser les, bon, les bonnes personnes que Dieu sème dans ta vie. Il faut faire attention. Esther, donc c'est ce qui était le complot que Madoché a organisé. Donc c'est Madoché a organisé le complot c'est Madoché qui et j'ai dit madouché plutôt c'est aman qui a organisé le complot c'est aman qui a organisé le complot et c'est aman qui était à l'origine de ce complot donc si tu ne connais pas ton ennemi tu peux mal prier donc la signature était la signature du roi mais le projet était le projet d'ama la signature était la signature du roi mais le projet était le projet d'ama Aman n'a fait que signer un projet par un roi. Mais le roi n'est pas au courant. Il ne connaît pas la bonne motivation. Il ne connaît pas l'origine. Ce qui a poussé Aman à venir lui dire ça, il ne connaît pas. En temps, c'était une guerre entre Mardoché et Aman. Aman l'a transformé en une guerre nationale et internationale. Mais il a fait signer un décret par un roi en manipulant le roi. Donc le roi, lui, il a, signé sa, il a donné sa signature, mais il n'est pas dans le projet. Il n'est pas au courant. Mais Amal l'a organisé. Donc, tu peux voir la signature de quelqu'un, mais il peut y avoir un autre esprit derrière qui a manipulé la personne à devenir ton ennemi aussi. Il y a des gens qui peuvent se lever contre toi sans qu'ils ne sachent en réalité qui tu es, mais c'est que dans l'ombre, il y a des gens qui les ont manipulés, qui les ont utilisés pour travailler contre toi. Donc, vous allez vous retrouver en face de certains qui sont devenus vos ennemis, mais vous ne savez même pas. Pourquoi tu es devenu mon ennemi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois ton ennemi? Ça veut dire que quelqu'un lui aurait dit que, que quelqu'un lui aurait rapporté que, quelqu'un lui aurait dit que. Et à la fin, tu deviens ennemi de beaucoup de personnes que tu ne sais même pas. Ça veut dire que c'est l'esprit des méchants qui a travaillé. Il faut faire une prière pour détruire toutes ces choses. Il faut se lever dans la prière pour détruire ces choses. Il ne faut pas rester assis là pour dire que non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non. Ça ne fait rien, c'est dangereux. Donc, Amant... Ah. Donc, c'est ce projet maintenant que Esther... C'est pour ça que Dieu a appelé Esther et Madoché. Donc, Esther et Madoché ont pour mission de déjouer le projet d'un homme d'État. Amant est un homme d'État puissant. Ne pensez qu'à vous vos amants là. Les gens qui sont amants dans votre vie, les gens qui sont, ont l'esprit des méchants dans votre vie, ne sont pas souvent des faibles. C'est des gens forts. Des fois même plus forts que vous. Parce qu'ils voient. Donc, qui sont ceux qui se liguent contre notre destin Dans le psaume 2, les rois de la terre se liguent avec les princes des airs contre l'éternel et son oin. C'est ce que le psaume 2 dit. Pourquoi c'est soumis dans les nations Pourquoi les rois de la terre se ligue avec les princes des airs contre l'éternel et son oint Donc l'éternel et son oui, c'est deux personnes. Mais eux, ils sont les rois. Ils sont les princes qui se mettent ensemble pour s'attaquer à deux personnes. Dieu et son oint Donc, les gens qui s'attaquent à toi, qui se lèvent contre toi, c'est des gens, des fois, qui paraissent plus puissants que toi, qui ont eu une autorité sur toi par un autre moyen. Ils ont toujours un pouvoir sur toi. Et c'est ce pouvoir-là qu'ils utilisent pour pouvoir te détruire. Donc, il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas, pas, pas dire non, on ne peut rien contre moi. Parce qu'une fois que tu es dans ce piège-là, c'est dangereux. Tu as besoin d'un collaborateur. Tu as besoin de te retrouver en face d'un madoché, un prophète. Et tu as besoin aussi quelqu'un qui a une vie d'intercession. Tu as besoin de partenariat. Pour déjouer ce complot c'est un gros complot c'est pas un petit complot tu ne peux pas survivre, c'est fait pour te décimer c'est fait pour te nuire c'est fait pour te détruire alléluia alléluia donc vous allez là vous allez voir est 5 Aman va ra ra rassembler les gens Aman va rassembler les gens et il va leur parler maintenant de sa décision de détruire Madoche. Donc dans Esther 5 à partir du verset 5, verset 11 plutôt, Esther 5 à partir du verset 11, Ama leur parla de la magnificence de ses richesses, du nom de ses fils, de tout ce qu'il avait fait euh, de ce, ce que qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi, et il ajouta je suis je suis même le seul que la reine Esther est admise avec le roi au festin qu'elle a fait. Je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi, mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Madocher le juif assis à la porte. Gérard, sa femme et tous ses amis lui dit qu'on prépare un bois au de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pend Madoché. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est ta vie, après pris à Amma et il fit préparer le bois. Donc, vous voyez, Amma dit Quel que soit ce qu'on va me donner, quel que soit tout ce que je vais avoir, tant que cet homme va vivre, je ne serai pas heureux. Donc, vous voyez, le méchant, quel que soit ce que leurs honneurs, les titres, les grandeurs qu'on va donner au méchants, le méchant va dire Je ne serai jamais en paix tant que cet homme vit. Son projet, rien ne peut le satisfaire si ce n'est que ta destruction, ta ruine totale, ta disparition. Donc il dit non, on m'a nommé, on m'a donné tous ces honneurs, on m'invite chez le roi, je mange chez le roi, mais ça ne me suffit pas. Il faut que Madoché. Donc il va maintenant demander la tête de Madoché. N'oubliez pas que Jean-Baptiste, c'est une petite fille qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. N'oubliez pas que c'est pendant la fête qu'on a coupé la tête de, et qu'on a, on a tué aussi Jacques. Donc comprenez qu'il y a toujours eu des complots comme ça pour détruire les gens au grand destin. Ils ont toujours comploté pour les détruire parce qu'ils ont des projets qui sont des projets méchants. C'est un esprit méchant. Il dit aucun prix. Donc, c'est ta tête qui est son vrai prix. Et il faut prier. Et sa femme qui lui fait des propositions de prendre Amant, de prendre Madoché sur un bois, un poteau. Donc il va aller à la fête du roi, devant Esther. Pour demander maintenant la tête de Madoché. De, de Donc, le méchant veut toujours ta tête. Il veut ta tête. Il veut ta tête. Donc, je voulais vous expliquer aujourd'hui l'esprit du méchant. Donc, c'était je vous amène à comprendre aujourd'hui pourquoi vous allez dire, ah, pourquoi Esther a été fait roi, pourquoi Esther a eu toutes ses grâces. Dieu lui a fait toutes ses grâces. de l'a positionner Parce qu'elle est en face d'une force. Elle est en face d'un homme fort. Elle a face d'un complot qui est dangereux. Elle a face d'une personne, euh, d'une personne dangereuse. C'est une personne qui est méticuleuse, d'une personne animée d'une un, rage, d'une colère pas possible, qui a pour projet de détruire tout un peuple parce qu'on ne se soumet pas à elle ou bien à lui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cet esprit. L'esprit le méchant, méchant est le Goliath des fois de votre vie. L'esprit méchant est la personne qui n'est jamais satisfaite, quel que soit ce que vous lui apportez, quel que soit ce que vous lui donnez, quel que soit l'honneur que vous donnez. L'esprit méchant, c'est la personne qui tirera toujours du mauvais dans le bon que vous apportez. L'esprit méchant commence à travailler, à préméditer des choses contre vous. Et si vous ne faites pas l'esprit faites attention à l'esprit méchant, L'esprit qui est animé Madoché peut être partout autour de vous. Il est important pour vous maintenant de déjouer cet esprit méchant. De commencer à prier contre cet esprit méchant, de vous lever, de chercher des partenaires de prière contre l'esprit du méchant. De chercher maintenant à ce que Dieu vous fasse grâce contre l'esprit du méchant. Si vous ne vous levez pas, c'est comme Goliath contre David. L'esprit méchant, c'est comme Goliath contre David. C'est au nom de l'éternel que vous allez déjouer leur projet. Vous avez de grands destins. Vous avez un grand appel. Vous avez un grand mandat. Vous êtes rempli de quelque chose. Dieu vous a appelé pour un grand destin. N'oubliez pas qu'il peut te retrouver des fois sur votre chemin. Amant. Pourquoi? Aman n'aime pas ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. L'esprit méchant, c'est la personne qui ne supporte pas votre adoration. Votre adoration, votre foi. Dès que votre foi, votre adoration, votre approche de Dieu, votre manière de servir Dieu dérange une personne, la personne animée par un esprit des méchants. Dès que vos vies de prière, dès que vos offrandes, dès que vos sacrifices, dès que votre manière d'élever Dieu dérange une personne, quelle que soit la personne, c'est que l'esprit des méchants veut travailler. Et on peut manipuler des gens autour de vous par l'esprit des méchants, par la sorcellerie, par le mysticisme, par des pratiques. On peut affecter comme on affecte des démons à une personne qui est autour de vous, qui est à côté de vous, que, que la personne exécute ce travail et la personne travaille pour l'esprit des méchants sans que vous ne vous rendez compte et vous vous êtes là tous les jours innocente ou bien innocent vous dites non ça là il peut jamais faire ça elle peut jamais faire ça mais quand une personne est ennuyée par un esprit méchant c'est à dire que la personne est possédée la personne peut plus prendre contrôle elle va finir par vous détruire parce que c'est la mission de l'esprit du méchant. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, à Caïn, attention, attention, le péché est couché à la porte de ta pensée. Ça avais dit que le méchant, l'esprit méchant est couché à la porte, ne donne pas accès. Et dès que Caïn a donné accès, Caïn a tué Abel pour son adoration. Caïn a tué Abel à cause de son adoration, à cause de son offrande. On peut te tuer pour ton adoration. On peut te tuer parce que tu as choisi d'adorer un Dieu, ton Dieu vrai. C'est que des fois, je pose des questions à des gens. Je leur demande, pourquoi toi tu es libre d'adorer ton Dieu, de choisir ta religion, et moi tu veux toujours critiquer ma foi, critiquer ma manière d'adorer, de servir. Pourquoi Pourquoi je ne viens pas toujours me plaindre de ta manière de suivre ton Dieu. Et c'est toi toujours qui te plaît. De moi, mon adoration. Quand je vois des gens qui viennent sur les pages des pasteurs, qui viennent critiquer, vous là, vous là, je dis, mais vous ne savez pas la malédiction qui s'abat qui, qui sur vous. Parce que moi, je ne m'occupe pas de ce que tu fais. Tu es libre. Nous sommes dans, une, dans, dans un siècle où chacun est libre de choisir. Toi, tu as choisi les démons, tu as choisi d'adorer d'autres. C'est ton choix. Laisse-moi aussi faire mon choix. Laisse-moi. Pourquoi tu veux choisir mon adoration? Donc, l'esprit méchant ne veut pas que tu adores. Ton adoration le dérange. Et regardez bien, l'esprit méchant a voulu tuer Daniel. À cause de l'adoration de Daniel, on a jeté Daniel aux fosses des de, 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 de lions, dans la fosse aux lions. Ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que Daniel a choisi d'adorer son Dieu trois fois par jour à la fenêtre. À cause de l'adoration, on Shadrach, Meshach et Abednego. C'est à cause de l'adoration qu'on a pris pour jeter dans le feu. C'est à cause de leur adoration. Notre Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont crucifié parce qu'il dit quoi? Il est le Fils de Dieu. À cause de son adoration. Alléluia. À cause de l'élévation qu'il donne à Dieu. Regardez autour de vous. Les pierres, les Pauls, tous ceux là ont été massacrés, persécutés, quoi? À cause de leur adoration. Donc des fois... Si tu ne fais pas attention, tu vas sacrifier ton adoration pour ton amant pour rester tranquille. Si Madoché avait accepté de se de fléchir genoux devant Madoché, Madoché allait s'arrêter. Il a dit "J'étais eu, j'étais écrasé. Maintenant, tu es sous mon contrôle." Mais Madoché dit "Non, je ne veux pas vendre mon adoration parce que c'est mon adoration qui me fait, c'est mon adoration qui m'élève, c'est mon adoration qui me positionne. C'est parce que j'adore Dieu." que Dieu fait certaines choses dans ma vie. Madoché a un projet aussi. Dieu lui a dit comment il sera élevé demain. Donc c'est l'adoration qui est sa seule chose. Quand ton adoration est tout ce que tu as pour avoir des grâces de Dieu, pour avancer dans la vie, pour réussir dans la vie, pour être protégé, pour vivre en bonne santé, pour avoir des enfants, pour devenir riche un jour, pour vivre éternellement peut-être un jour, si cette adoration à quelqu'un te l'enlève, par n'importe quel droit, parce que quand le... L'ennemi veut t'enlever une adoration, il l'impose, il vient par un droit. Il va venir par un droit qu'il a sur toi d'une manière légale. Ou en tout cas, il présentera quelque chose. Tu es, je suis, tant pour toi, tu es, ou bien tu es sous mon contrôle, tant, tant. Soit tu es mon employé, soit c'est moi qui te nourrisse, c'est moi qui paye tes trucs, c'est moi qui t'en, c'est en tout cas toujours quelque chose pour te dire, tu es sous mon contrôle, tu dois faire ce que j'ai dit de faire. Ta manière d'adorer, je ne veux pas. Tu dois adorer comme je veux. Donc, ton adoration. Le pied du méchant, c'est de t'enlever ton adoration. Le pied du méchant, c'est de t'étouffer que, que tu n'adores plus ton Dieu comme tu l'as reçu. Que tu ne sers plus ce Dieu-là comme tu l'as reçu. Et le méchant, et cet esprit-là, est partout autour de nous. Cet esprit est autour de nous partout. Qui froisse votre relation votre intimité avec Dieu qui froisse. Et on te dira, si tu te soumets, tu auras ça. Si tu te soumets, tu auras ça. Si tu te soumets, tu auras ça. Non, tu dois comprendre une chose. Est-ce que tu dois adorer le vrai Dieu ou bien tu dois adorer le faux Dieu C'est important, ton adoration. Nous sommes dans ces derniers temps, dans cette année, dans la décennie qui vient, les gens qui seront élevés, c'est ceux qui ont choisi d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Pas adorer pour faire plaisir à quelqu'un. Pas adorer juste parce que, bon, ces heures-là, je ne peux pas faire ça. Maintenant, je ne peux pas faire ça. Maintenant, je ne peux pas faire ça à cause de... à cause de... à cause de... dossier. dit, moi, je veux adorer mon Dieu. Aman, Fais ce que tu veux. Je vais adorer mon Dieu. C'est pourquoi... Amma a décidé de détruire tout un peu parce qu'un homme ne l'adore pas. Un homme ne l'adore pas. Non, des fois vous n'avez rien fait aux gens. Vous n'avez rien fait aux gens. Oui, des fois dans vos assemblées, il y a des gens qui sont autour de vous qui vous qui veulent votre mort coûte que coûte là. Il vont trouver, il va trouver des preuves. Ils vont trouver des raisons, mais en réalité ce ne sont pas les vraies preuves, les vraies raisons. Les vraies raisons c'est qu'ils détestent l'amour de Dieu pour vous, la promotion dans votre vie, l'élévation de Dieu dans votre vie. La manière les gens vous aiment, les gens célèbrent la grandeur de Dieu dans votre vie. La manière les gens vous apprécient. Les méchants ne supportent pas. Il faut qu'ils réussissent à détruire. Il faut qu'ils réussissent à détruire et il va faire son programme. Oui. C'est pourquoi dans des familles, le méchant a décimé des gens. Le méchant, l'esprit méchant a fait que des frères se sont levés contre des frères, ont tué des frères. L'esprit des méchants dans les familles, on fait que des fois des, des parents même ont tué leurs propres enfants. L'esprit des méchants fait que dans certaines nations, des gens qui étaient amis hier se sont entretués. L'esprit des méchants fait que dans certains foyers, monsieur a tué, madame, madame a tué, monsieur. L'esprit des méchants fait que des fois, dans certaines amitiés, ton vrai ami, l'ami de tous les jours, devient ton ennemi et puis te fait du mal, te et te détruit. L'esprit des méchant fait que des fois, la personne qui était véritablement ta confidente ou bien ton confident, c'est cette personne-là qui vient te, te trahir, en vol, te voler, te prendre quelque chose que tu ne peux pas imaginer parce que c'est l'esprit de mes c'est un messie de haine, c'est un esprit qui est sans pitié. C'est pourquoi j'ai commencé à vous dire que Dieu tue toujours le méchant. Dieu ne pardonne pas le méchant. Dieu n'a pas pitié du méchant parce que le méchant, son objectif final, c'est la mort. Le méchant, son objectif final, c'est la mort le méchant l'esprit du méchant non voici qui est amant voici qui est amant il met un poteau et puis il veut prendre un chef de famille pour sa joie parce que la personne ne se soumet pas à lui on lui va pendre la personne c'est tout son problème c'est tout son problème comme tu te soumets pas moi je vais te pendre on est fait pour adorer dieu bien adorer les hommes je peux te respecter je dois te respecter je peux t'honorer, je peux t'honorer, mais je ne dois pas t'adorer. On n'adore que Dieu. Pourquoi toi tu veux que je t'adore? Pourquoi tu veux devenir Dieu dans ma vie? Pourquoi tu veux prendre la place de Dieu dans ma vie? Pourquoi tu veux que l'honneur, la position que je donne à Dieu, je te donne ça à toi, un homme? Tu es un homme. Tu es une personne. Je ne peux pas t'adorer. Je ne peux pas adorer mon travail. Tu es mon patron. Tu me donnes du boulot. Mais ce n'est pas ça qui me bénit. Pourquoi tu veux que j'adore mon travail C'est-à-dire, c'est quand j'aurai fini que j'ai du temps que je vais aller prier mon Dieu. Alors que c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Pourquoi tu veux que j'adore un poste de travail Bon, tu es mon aîné, c'est toi qui m'aides souvent. Non. Pourquoi tu veux que je te donne la place de Dieu dans ma vie? Tu es une personne importante pour moi, d'accord. Mais pourquoi tu veux prendre la place de Dieu? Laisse la place de Dieu. J'ai décidé d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Je ne peux pas adorer un homme. L'histoire d'Admadoché, d'Ama et d'Esther, le roi Suse et tout le peuple qu'on a détruit, c'est l'histoire de ce qu'un homme, un méchant, veut être adoré. Et on refuse de l'adorer, il va casser tout. L'esprit méchant est dangereux. Hein? Il est prêt à tout détruire pour sa cause. Oui vous êtes des fois sous des complots que vous n'imaginez pas. Des gens qui se lèvent contre vous, qui rapportent des choses contre vous, qui organisent des complots, qui salissent, qui disent des choses aux gens contre vous, qui déjà mettent dans la tête des gens, que les gens se préparent. Parce que si demain quelque chose t'arrive, on dira, ah, on nous avait dit, on nous avait prévenu Je comprends pourquoi. Entre temps, c'est qu'un faux complot. Donc il a mis déjà dans la tête du roi. Il a fait déjà comprendre au roi que Madoché n'est pas une bonne personne. Que Madoché là, il n'a pas mal. Alors que Madoché n'a rien fait de mauvais. C'est parce que Madoché dit, je veux adorer mon Dieu. J'ai choisi de servir Dieu, de marcher avec Dieu. Mon cœur, mon âme, mon temps, mon argent, ma force, tout ce que j'ai, c'est pour Dieu. On dit non, il n'est pas bon. Puisque tu ne fais pas comme j'ai dit là, tu es méchant, je vais te détruire. Et je vais mettre le roi de mon côté pour te détruire. Et le roi lui a donné l'argent. Et le roi dit Faites de luxe ce que tu veux. Il y a des gens qui vous ont vendu ils vous ont acheté à vil prix. Votre ville n'a pas de valeur devant eux. Tout simplement parce qu'ils ont la haine contre vous ils sont jaloux de votre réussite. Vous qui marchez avec des gens qui vous envient qui sont jaloux de vous. Vous les prenez toujours pour amis. C'est mon ami. C'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. On a vécu longtemps ensemble. On a duré ensemble. Mais quand vous avez duré ensemble, tu ne vois pas que la personne est jalouse de toi. Tu ne vois pas que la personne ne supporte pas quand tu viens présenter les nouvelles choses. La personne n'aime pas te voir évoluer. Cette personne-là, elle est dangereuse. Il y a beaucoup qui font ri ripapapapa, ri mais ils sont animés par un esprit de méchant. Il y a des gens qui le voyaient là. Ils se renversent toujours à l'église. Oh, tenez des amis! Il lit des versets bibliques matin, midi, soir. Mais l'esprit des méchants les habite. Leur cœur est méchant, leur esprit est méchant. Ils sont prêts à faire du mal à l'autre parce que pourquoi c'est lui qui a eu ça Pourquoi c'est elle qui a eu ça C'est que moi, il même depuis la même. C'est comme ça là même, c'est même pas vrai. Est-ce que c'est pas chose qui a fait pire C'est l'esprit méchant. Quand l'esprit méchant habite une personne, on ne donne jamais gloire à Dieu pour les bonnes choses qui arrivent dans la vie de l'autre. On est toujours en train de chercher à expliquer, c'est parce que il a fait ça, il a fait ça, qu'il a eu ça, parce que l'esprit des méchants ne permet pas une bonne promotion de l'autre. L'esprit méchant ne veut pas le promouvoir l'autre. L'esprit méchant, quand il est quelque part, il veut que tout le monde l'adore. Mmh. Voilà. Tant que tu, tu viens demander son avis, tu demandes son autorisation, et que c'est elle ou bien lui qui donne le truc, non, il n'y a pas de problème. Tant que je suis le maître, le gourou. Ou bien la maîtresse, la patronne de tout le monde Allez-y. Regardez bien dans votre famille. Il y a des oncles qui ont tué juste parce que le mari n'est pas venu dans sa maison. Et quand on allait marier ailleurs, la fille-là, elle ne va pas réussir dans son mariage. Elle va aller mourir cadeau. Parce que a bon, elle m'a fait ça. Elle n'est pas venue chez moi pour se marier. D'accord. Pour ça, là on va détruire une vie, détruire un destin, détruire un foyer, détruire un couple. Il y a des gens qui vont dire Bon, il a voyagé sans me prévenir. Il n'est pas venu me dire au revoir. Ok, on verra ça. Pour ça, là, la personne va voyager. Elle ne peut pas réussir. Elle, ta vie est bloquée. Parce que l'homme fort de la famille, l'homme fort de la vie, l'homme fort est assis. dit Moi, si ce n'est pas moi, ça passe pas. ne passe pas. Ce qui ne passe pas, par moi, ne réussira pas. Et la personne travaille. Mais pourtant, malheureusement, il y a beaucoup qui nourrissent leurs méchants. Il y a beaucoup qui nourrissent leurs méchants, qui aident leurs méchants, qui donnent l'argent à leurs méchants. Il y a beaucoup qui sont toujours en train d'entretenir leurs méchants et qui se disent un jour ça va aller. Le méchant ne changera jamais. Quelqu'un qui est animé par un esprit de méchant, il ne changera jamais. Parce que son objectif, c'est la mort. Au final, c'est la mort. Et ce que tu, dont tu vas te rendre compte, c'est ce que tu gagnes, c'est ce que tu as dans la main là, qui rend encore plus aigri. Et comme toi tu ne fais pas attention, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sage, tu n'as pas le discernement, qu'est-ce qui t'arrive? Dès que tu as eu quelque chose de bon, tu t'en appelé ton méchant. Hé, hey, le Seigneur m'a béni encore. Oh. Mon frère, viens voir oh. Rendons gloire à Dieu. Marcel, viens voir oh. Quand il vient, il regarde. Hé. Hey. Encore toi. Mm. 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 Toi-même, tu es comment même mm. Nous-mêmes, on est venu vous accompagner. Oh. Depuis on est là, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Hey. Hé Hum. Hum. Tu dis, hey, mon frère, hein, c'est ça, c'est Dieu qui bénit. Hein. Hmm. Méchant. Est méchant, là, Il dit, tu dis, hum, sur tes affaires. Quand c'est pour lui qui est venu ou bien pour elle qui est venu. Petit chose. Quand tu es content, hm. ah. en tout cas, Dieu m'avait promis. Dieu, ah, Dieu va me lever. Dieu va me bénir. Dieu m'a dit tant. Mais quand c'est pour toi, là, c'est. Hum. Hmm. hmm. Ça veut dire il supporte jamais l'élévation de l'autre. C'est celui des de méchants. Quand, quand tu présentes tes enfants, et tous tes enfants sont démons chez lui, ou bien chez elle. Tes enfants, lui, il est mal éduqué, il est mal élevé. Il est là, tatata, tatata. C'est celui des de méchants. Mais quand tu arrives, lui, ses enfants, ils font peut-être pire que tes enfants. Non, ma fille, là, elle est très intelligente. Mon fils, là, il est tant comme ça. Mon enfant, là, il est tant comme ça. Non, 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 non tant comme ça. C'est quoi? ah bon, les enfants des autres sont méchants. C'est toi, tes enfants qui sont bien. Non, l'esprit des méchants, il ne qualifie rien dans ta vie. Il ne respecte rien. Il ne bénit pas Dieu pour le peu. Non, toujours, il faut qu'il trouve une erreur pour dire que ça, là, Ça c'est pas normal. Est-ce que tu as bien L'esprit méchant, comme toi, il opère. Le l'esprit méchant, il ne permet pas que tu respires. Tout ce qui vient de toi est mauvais, méchant. Et il va veiller. Il est en même temps gardien. Il va veiller à ce qu'à la fin, là, tu perdes tout. Et l'esprit méchant assiste à ton funérail. Donc l'esprit méchant, puisqu'il a préparé le poteau, si on t'avait tué là, il allait venir à tes funérailles. Il y a beaucoup qui ne savent pas que leurs ennemis, là, ils les ont suivis jusqu'à la mort et puis ils sont venus les enterrer. J'ai vu des gens qui n'ont pas fait attention à leur vie. Qui ont suivi des gens comme ça. Jusqu'à leur mort là, c'est la, pendant la mort là qui vient maintenant en habit blanc pour accompagner ces hey, cœurs. C'était un frère gentil. C'était quelqu'un de très bon. Dès qu'ils ont fini de t'enterrer, ils ont tourné le dos. C'est comme toi, tu n'es jamais existé dans leur vie. C'est l'esprit méchant. Méchant. Que Dieu nous délivre des méchants. Que Dieu nous libère des méchants. Et que cet esprit-là qui est tapis dans l'homme, qui opère. Cette année-là ne soit pas ton apanage. Que Dieu les zigouille tous dans le désert. Que Dieu les détruit tous dans le désert. C'est pourquoi Dieu les tue dans le désert. Dieu les a tous zigouillés dans le désert. Personne n'est rentré à Canaan Parce qu'ils ont un esprit méchant. Et Dieu n'a pas. Pourquoi ils ont duré dans le... à Cana? Beaucoup ont duré dans le désert. Là. Les gens ne connaissent même pas la raison pour laquelle les gens ont duré dans le désert. Ils ont fait 40 ans dans le désert pour que Dieu ait le temps de les zigouiller tous. La Bible dit que eux tous sont restés là-bas. C'est une nouvelle génération qui est montée. Eux tous, puisque les esprits qui les habitaient étaient tellement méchants que dit ceux là s'ils rentrent dans l'abondance, moi, non, il les a tous pris là. Donc, c'est pourquoi les gens qui sont un esprit méchant, vous les voyez, c'est les bons conseillers, c'est les meilleures personnes, mais leur vie la ressemble à désert. C'est toujours qui parle des autres, qui critiquent l'autre, qui accuse l'autre. Qui ont toujours les bonnes choses, les bonnes habitudes, mais quand ils regardent leur vie, ça ressemble à désert. Parce qu'ils vivent toujours dans le désert. Il faut que Dieu les extermine dans le désert. Hein? Les méchants. Les prospérités, ils sont obligés d'aller faire des alliances démoniaques, sataniques, pour avoir le pouvoir, l'argent, pour venir t'écraser, te détruire. Et comme tu ne fais pas attention, toi, tu te dis que non, c'est un frère c'est un ami c'est quelqu'un de bon. Non, il est méchant. C'est un esprit méchant. Dieu n'a pas pitié du méchant. Et donc aujourd'hui, le travail que tu vas faire quand tu as écouté cette vidéo, c'est de commencer à dire à Dieu, préserve-moi du méchant. Délivre-moi du méchant. Délivre-moi du méchant. Ne permets pas que je m'asseille avec le méchant. Oui, regardez dans votre Bible. Il est écrit. Malheur à ceux qui s'asseyent à la table des méchants. C'est ce que la Bible dit. Malheur à ceux qui s'asseyent à la table des méchants. Donc, quand quelqu'un s'assoit à la table des méchants, on dit malheur déjà à toi. Donc toute personne qui s'associe à un méchant, avec des méchants, quelqu'un qui est un aimé, pas un esprit de méchant, rien de bon ne va sortir dans ta vie. Tu ressembles à malédiction. Ils viennent bloquer ta vie. Quand un méchant a accès à toi, a accès à ta vie, Tellement il est animé de méchanceté que tout te bloque. Vous ne savez pas que des fois, il y a des gens, tant qu'il y a des gens qui sont présents dans votre vie, il y a des choses que vous n'aurez jamais. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham avait son neveu, Lot, qui était animé par un esprit méchant, en vie. Un esprit envie. Un esprit d'envie. Un esprit de concurrence. Donc, tant que Lot était là, il a commencé à faire la guerre à son oncle qui l'a fait venir. Donc Abraham dit, bon moi il va faire la guerre avec toi. Séparons-nous dans la paix. Dès qu'ils se sont séparés, Dieu a commencé à parler à Abraham. Abraham dit, Abraham, est-ce que tu sais que là où tu es là, c'est la prospérité qui est là-bas Là où tu es assis là, c'est ta terre de bonheur. Ça ressemble à cailloux, mais ça ressemble à la difficulté, mais c'est là même que tu vas prospérer. Mais le méchant, lui, voit le bon champ. Il pense qu'il a fait le bon choix. Il a les gros gros yeux, mais il ne voit pas le méchant. Il allait prendre Sodome et gomor. Partout il y a la verdure. Il a trié les, les, les brebis grasses d'Abraham. Il a pris les jeunes filles fraîches fraîches. Et puis il dit Allons-y. Lui-là, il, il est vieux. Toujours c'est lui qui bavarde Dieu, Dieu, Dieu. Allons. Dès qu'ils se sont séparés, Dieu a commencé à parler à Abraham. Dans la vie, il y a des fois. Là. Il faut comprendre. Un temps Il y a des gens, tant qu'ils sont dans ta présence, tu n'auras pas de miracles. Parce qu'ils sont animés par un esprit de méchants, donc ça bloque toujours l'onction. Ça bloque la présence de Dieu. C'est ce qui est arrivé aussi quand Jésus devait ressusciter la fille de Jarus. Quand ils étaient ensemble, ils étaient dans la maison, et les parents et les enfants et les parents étaient là. Jésus allait, il prie pour la fille, la fille ne ressuscite pas. Et puis il a dit Bon, vous, parents, sortez. Dès qu'ils sont sortis, il a prié, la fille est ressuscitée. Ça veut dire quoi? Les parents n'acceptaient pas que Jésus ressuscite la fille. Ils ne souhaitaient pas sa résurrection. Il les a chassés. Dès qu'ils sont sortis, il y a eu résurrection. Il y a des gens. Tant qu'ils sont là, il n'y a pas résurrection. Une année, j'étais allé faire une croisade de guérison miracle dans les années 97. De guérison miracle, quelque part dans une ville, il y avait du monde. Et il y avait un temps de prière des malades. Et il y avait les miracles qui avaient commencé à s'opérer. Des sourds qui ont entendu. Et on, a, on était arrivé sur les paralytiques. Et le premier pied qu'on a touché, le pied était court et le pied a poussé. Dès que ce miracle est venu, j'ai vu une dame qui a porté un panneau, qui a marché rapidement, qui est venue se mettre dans le rang. Elle dit qu'elle aussi elle ne voit pas. Bon, moi, je ne savais pas. Je continuais de faire les prières, mais j'ai pris, je ne sentais plus rien. Je touche les gens, il n'y avait plus de guérison. On loue, mais on ne comprenait pas. Pourtant, on venait de faire des témoignages. Vous savez, l'onction, l'onction se manifeste de cette manière. Dès qu'il y a eu un premier miracle, les miracles suivent en même temps. Donc, dès qu'un miracle commence, ça ne s'arrête plus. Ça continue. Mais si ça s'arrête, ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est venu arrêter l'onction. Donc du coup, je me suis arrêté, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prie et puis j'ai dit, mais maman, vous c'est qui Quittez derrière là. C'est qui elle dit non, j'ai mal aux yeux. Et puis le Saint-Esprit ne lui impose pas la main. Si tu t'imposes la main à cette femme-là. C'est fini. Et c'est le Saint-Esprit qui a me dit, c'est une prétesse. Il y a une eau dans la ville là. C'est elle qui est la prêtesse de l'eau. Donc elle est venue en personne parce que ça fait une semaine qu'on dit tu es venu. Il y a des miracles dans la vie, donc elle est venue en personne. Ce jour-là, Dieu a travaillé sur cette femme. là on l'a dévoilée publiquement. Elle a reconnu. Je dit, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit non. Donc, je lui ai donné une réversion. Tu as une de tes filles qui est partie. Ça fait plus de 13 ans que tu ne la vois pas. Elle ne t'appelle pas. Si cette fille-là t'appelle demain, est-ce que tu accepteras le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel Elle dit oui, parce qu'elle ne croit pas. Effectivement, elle avait une fille qui est partie à l'étranger, qui ne l'appelait pas. Le lendemain. La fille l'a appelée. Elle est venue le soir à la croisade pour se confesser, pour se jeter. On allait brûler tous ses fétiches. Elle, pourtant, elle est venue en habit de truc. Son objectif, c'était d'arrêter ce temps de miracles, pour ne plus qu'on parle trop de miracles dans la ville. Il y a des gens qui s'introduisent dans votre vie au moment où vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous avez l'impression que, non, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais c'est un élément dangereux qui est venu arrêter la manifestation de Dieu dans votre vie. Et vous allez vous constater que depuis ce que ces personnes sont rentrées dans votre vie, votre vie chamboule. Votre vie est bizarre. Montez, descend, vous ne comprenez pas. Mais comme vous n'avez pas de discernement, vous-même vous élevez, vous adorez, vous respectez, vous adorez, ou que tu veux vous cultivez, vous donnez à manger à, à ces, ces personnes. Alors que Dieu dit tant que ces personnes n'ont pas quitté votre vie n'avancerez pas. Priez maintenant pour que les amants de votre vie soient dévoilés. Tous les gens qui transportent un esprit méchant, que Dieu dévoile leurs œuvres, que Dieu dévoile leurs plans. Alléluia. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Shalom, c'était la vidéo d'aujourd'hui. La grâce du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Bénissez quelqu'un avec cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et demain, nous allons continuer maintenant, retourner dans la sagesse qui a été donnée à Esther pour déjouer, pour détruire le plan de Haman, détruire ce plan diabolique, machiavélique, un destructeur, un seul homme qui décide de tuer tout un peuple parce qu'il est fâché, il est en colère contre la réussite de quelqu'un, ou bien contre l'adoration, contre le choix d'une personne d'adorer son Dieu, et il décide de détruire la personne. Non, vous devez prier contre les Hamans, comme les méchants, contre les gens qui ont décidé de vous voir anéanti complètement parce que vous adorez votre Dieu, vous aimez votre Dieu, parce que votre Dieu vous a choisi pour faire quelque chose. Il faut faire des prières. Voici les points de prière importants que nous allons faire aujourd'hui. Les points de prière importants. Premier point de prière. Premier point de prière. Seigneur, lève-toi contre les méchants de ma vie. Contre les méchants. Seigneur, lève-toi contre les méchants. Premier point, Seigneur, lève-toi contre les méchants. Lève-toi contre les méchants. Deuxième point de prière, Seigneur, que les méchants tombent dans leur propre piège. Deuxième point, que les méchants tombent dans leur propre piège. Troisième point de prière, Seigneur, pas de pitié pour le méchant. Tu demandes au Seigneur de ne point avoir pitié des méchants qui sont installés dans ta vie. Pas de pitié pour les méchants. Car si toi tu as pitié, ils n'ont pas pitié. Quatrième point de prière, Seigneur, qui mange leur propre chair, qui dévore leur propre chair, c'est-à-dire s'ils ont souhaité des maladies dans ta peau, des souffrances, que cela retourne contre eux-mêmes. Cinquième point, qui boivent leur propre sang. S'ils avaient décidé de te tuer, que cela leur arrive comme ils ont choisi. Seigneur, prends-leur sur leur propre poteau, c'est-à-dire le plan qu'ils ont organisé, conçu, que ce plan-là retombe sur les têtes eux-mêmes. Il y a des gens qui sont en l'ombre, ils font leur projet. Ils pensent, ils vont, on ne me voit pas. Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne savent pas. Que Dieu fasse que ça retourne sur eux-mêmes. Seigneur, je remets le sixième point. Je remets ce combat en tes mains. Remets le combat. Ce combat-là. Arrête de te battre. Donne ça à Dieu. Remets le combat. Ce combat-là. Remets à Dieu. Le dernier point de prière. Donne-moi la victoire totale. Donc, on a eu huit points de prière. On a eu huit points de prière. Premier point de prière, lève-toi contre les méchants de ma vie. Que les méchants tombent dans leur propre piège. Deuxième point. Troisième point. Seigneur, pas de pitié pour les méchants. Quatrième point. Qui, qui mangent leur propre chair. Cinquième point. Qui boivent leur propre sang. Sixième point. Soient pendus à leur propre poteau. Septième point, Seigneur, je remets ce combat en tes mains. Huitième point, donne-moi la victoire totale dans ce combat. Donne-moi la victoire totale dans ce combat. Shalom, Dieu vous bénisse. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Demain, nous allons passer à l'étape supérieure où Aujourd'hui, le Saint-Esprit a voulu que je vous parle de Haman, Pour au moins voir cet esprit de méchant, comment il opère. Maintenant que vous connaissez, vous allez voir maintenant comment la sagesse a animé Esther. Parce que quand tu veux désamorcer une bombe, on n'est pas agité. Il faut avoir une sagesse pour désamorcer cette bombe. Donc comment la sagesse a animé Esther. Et il a colla, elle a collaboré avec ma dossier et ils ont réussi à renverser ce projet et s'est retourné contre Ama et tous ses gourous. Shalom, la paix de Christ sur votre vie, sur vous, que l'amour de Jésus vous garde partout où vous êtes, que le sang de Jésus parcourt la terre pour vous guérir partout où vous êtes et que ce temps de crise passe que nous retrouvons dans son amour, dans sa grâce, que les anges de l'Éternel campent autour de vous et veillent sur vous. Priez pour moi, je prie pour vous. Et nous nous retrouvons demain pour notre prochaine vidéo. Bye bye.